nous avons souhaité, à un moment donné, apprécier le niveau d'assainissement au niveau des ménages, à savoir la couverture des ménages en infrastructure d'assainissement et également le comportement des populations des ménages par rapport aux questions d'hygiène et d'assainissement. Mais après, avec la récurrence du choléra à Cotonou, nous avons également conçu une enquête pour décompter les puits, puisque dans les ménages, il y a des puits traditionnels que les gens utilisent pour s'approvisionner en eau. Et l'eau de ces puits-là n'est pas forcément potable. Généralement, ces informations-là constituent des éléments de prise de décision. Ça nous permet de savoir quelle est la situation et ça nous permet de savoir comment orienter les interventions sur le terrain pour que... La dernière collecte que nous avons eu à faire, nous avons préféré que ce soit les agents d'hygiène qui sont déjà dans le dispositif de l'État. Comme dans le mandat de la DNSP, la surveillance de la qualité de l'eau est primordiale. Nous pensons que dans l'avenir, on pourrait envisager l'utilisation de cet outil Agro Cadisfly pour des tests rapides sur le terrain. Et au cas où on découvrirait des cas d'inconformité ou des cas de pollution, que le laboratoire puisse faire le déplacement de façon spécifique vers ces zones-là pour faire des prélèvements et pouvoir confirmer le niveau de pollution et éventuellement mettre en œuvre une action de correction. Notre souhait, c'est de pouvoir utiliser l'outil sur tout le territoire national. C'est